Allez, bonjour, on se retrouve pour un petit event avec 9 attaques. 9. Bon, les sharpness 2, une épée en linarite, fait vite. Donc, on est sur le serveur Azure XP PVP, et donc au spawn, apparemment, il y a un petit event où on a tout simplement des coffres, et en fait, je pense que quand on va les ouvrir, et ben, on va tout simplement avoir un petit peu de stuff, je pense que c'est ça. Du coup, il y a vraiment beaucoup de monde qui se rue dessus, et c'est assez incroyable, voilà. Je parle comme un philosophe là. Vous allez pouvoir avoir votre récompense. Oh, de la vodka. Dans les coffres. Ah ouais, en fait vous avez déjà ouvert la boîte aujourd'hui. Alors si on rouvre les coffres, ça donne quoi? Oh, une pioche en... Ah, j'ai un bâton de speed. Oh, moi j'ai eu la pioche en... En Azure X. Ouais, en Azure X. Je... Ok, c'est parti, on va rechoper dans les coffres pour voir ce qu'on peut. T'avais pris quel coffre? Oh, genre j'ai un plastron Terminator. T'as pris lequel? Un grand. Et les quels, vers où? Dans le fond. Yo les gens, c'est Warity, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du Let's Play PvP Facts sur Azure X PvP. Je suis en compagnie de Angel, salut. Bon, il peut pas trop parler parce qu'on est le matin et... Enfin voilà, je vais pas vous expliquer toute sa vie. En tout cas, on se retrouve juste en dessous, la base, je vais me remettre en vue normale. Il fait nuit et on peut voir que quand il fait nuit avec mon ciel, on voit absolument pas notre base. Je suis même plus volé d'ailleurs. Je la vois plus. Ok, bon, bah très bien, je vois. Bah c'est cool. Bah après je suis en 8 chunks, donc de l'eau. En tout cas, on se retrouve juste en dessous la base, et en fait on a fait une petite maison, comme, enfin c'est plutôt un fake, j'ai envie de dire. En fait on a fait un fake, pourquoi? Parce qu'en fait, faut savoir que quand on claim une base, de toute façon tous les joueurs PvP faction doivent le savoir, quand on claim, en fait un claim est égal à un chunk. Un chunk c'est quoi? C'est une zone de 16 par 16. Donc voilà, en gros, cette maison, normalement si elle est bien faite pile en dessous de la base, elle doit être pile dans un, ou ouais, peut-être pas un chunk, peut-être dans un chunk et demi, voire deux, vu comment elle est placée. En tout cas voilà, elle est dans à peu près dans le même claim que notre base, donc c'est-à-dire que quand les mecs vont passer là, ils vont voir un claim, ils vont voir cette base-là, ils vont pas lever la tête en l'air pour voir s'il y a quelque chose. En tout cas, c'est pas le sujet de cet épisode. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre home perso. Donc j'ai déjà une petite idée de quoi faire, mais pourquoi déjà on va faire un home perso? Alors faut savoir déjà que sur le serveur, on a de la monnaie, et la monnaie sert à acheter des trucs au shop. Donc on se rend directement au shop, et on va aller voir un petit peu ce qu'on peut acheter. Alors faut savoir que dans le shop, on peut pas... Merde, c'est slash spawn, pas slash shop. Faut savoir que dans le shop, en fait, on peut pas... Je vais me remettre en... Voilà, on peut chat. Faut savoir que dans le shop, c'est vraiment un tout petit shop, et en fait, il y a vraiment... On peut vraiment pas acheter beaucoup de choses. On va regarder un petit peu les trucs les plus rentables. Limite, les trucs les plus rentables, ce serait... Ils sont en train de refaire un, je crois. Ouais, ils se refont un. Il y a la soit la Rotten Flesh qui peut être intéressante, mais après il faut avoir un spawner. Ou clairement le blé. Le blé, voire même les pastèques, ça peut être intéressant. Et même les carottes aussi. Les pommes aussi, mais c'est un peu plus gros à faire. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui sont intéressants. Il y a les gunpowder, mais on n'a pas de trucs. Pastèque scintillante, ok. Mais si. Du sucre. On peut faire un truc, on peut faire... Alors, mon projet, en fait, dans mon home, c'est quoi? Clairement, on va se faire un petit home, déjà, pour faire quelques usines très simples à faire, mais qui pourraient nous faire gagner de la thune. Faut savoir que, quand on vend un pain, ça nous donne 1$. En gros, si on a un stack, ça nous donne 64$. Donc, ça va, c'est... Ah, par contre, on peut faire le pain... Ah ouais, j'avais pas vu ça... On peut acheter le pain. Ah, par contre, il y a certains trucs qu'on peut pas vendre ou acheter. Clairement, le plus intéressant, ce serait carrément le sucre, en fait. La canne à sucre. Quand on vend,
quand tu vends 16 sucs, ça te donne 25$. En gros, on va plus faire une usine à canne à sucre qu'autre chose. Clairement. Je crois que c'est le truc le plus intéressant à faire. Ça va être usine à canne à sucre, voire usine à pastèque, mais le truc c'est qu'on peut pas la... enfin, on peut pas le vendre, on peut juste acheter. Mais l'usine n'a pas un limite. C'est ce que Ralph m'avait dit, il m'avait dit faudra qu'on fasse des gros champs de canne à sucre. Ouais. Bah ouais, c'est ce que je vais faire. Personnellement, ce que je vais faire dans mon home, ça va être ça, on va faire un petit hub tranquillou. Je vais décorer tout ça et puis bien écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard dans mon home. Je vais juste vous montrer où est le home. C'est à l'endroit où on a miné en fait les. C'est l'endroit où on a miné l'opsy. Bon, bien évidemment, je vais m'écarter de ça. Hein. Je vais faire, je sais pas, partir un petit peu plus loin. Voir ouais, vachement plus loin même. Donc voilà. Donc on se retrouve un petit peu plus tard, bien goûter. Je vais peut-être sûrement faire un petit timelapse pour vous montrer un petit peu la construction, je pense, du home. Ou alors on va peut-être... enfin je verrai, on va sûrement... enfin je verrai, on se retrouve un petit peu après. Et donc on se retrouve, j'ai un petit peu avancé, j'ai même beaucoup avancé, mais j'ai même pas le temps que j'ai passé un petit peu... Entre temps, quoi, une heure à peu près, une heure et demie. Ouais. Donc ce que j'ai fait, bah, c'est que je suis parti un petit peu plus loin que l'endroit où on a miné. J'ai creusé une salle de... Alors ça c'est le milieu à peu près, il y a 5 de chaque côté ici et 6 de chaque côté ici. Par là il y a une mine, par là il y a une mine, et par là il n'y a rien, par là il n'y a rien. Donc ce qu'on va faire, on va sûrement attaquer une petite arche ici, et on va faire un couloir avec des trucs à droite. Enfin, des trucs à gauche, des trucs à droite. À droite, ça sera sûrement les petits prototypes, donc les petites usines au calme. Et à gauche, tous les un peu plus badass. Hein. Ouais. Et puis par ici, il y aura sûrement ma petite salle des coffres. Enfin, je sais pas, vu que ce sera pas claim, j'ai pas vraiment ce que je vais mettre encore. En tout cas, qu'est-ce que j'ai fait, vu qu'on avait pas du tout de bois, j'ai été chercher un petit peu de bois. Je suis parti du FO, mais on a trouvé une petite forêt de spruce. Du coup, c'est nickel. Et puis au passage, j'ai pris quelques saplings pour reproduire tout simplement les bois. Pour aller reproduire tout simplement les faire pousser un peu plus rapidement. Donc peut-être que par ici on va faire une plus grande salle pour faire bien tout simplement pousser le bois, pour comme ça on évite d'aller en chercher en forêt. Enfin bref, on commence directement par construire. Donc ouais, j'ai mis un petit sol comme ça en stone brick plus le petit home qui sera ici. Niveau déco, bah écoutez, je sais pas tellement quoi faire. Je pense déjà qu'on va faire un petit truc comme ça et comme ça. Voilà, comme ça. Donc voilà, c'est sympa. On va juste jarter en dessous les petites stone briques parce que bah, ça sert à rien étant donné que ça se verra pas. Et puis d'ailleurs, j'ai toujours du truc qui cuit. Et on va mettre bah, simplement de la cobble en dessous. Sans balistec, de toute façon, ça se voit pas. Donc voilà. Donc bien écoutez les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout ça en timelapse et puis on se retrouve juste après. A tout.
toujours en compagnie de Angel. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, j'ai avancé sur mon home. Voilà, une petite déco assez sympatoche. Normalement, je vous aurais fait un petit truc assez rapide, mais après, j'ai été obligé de couper le record parce que ça le faisait plus trop. En tout cas, voilà ce que ça donne. Une petite déco assez sympathique avec des petites luminites que j'ai essayé de caser dans les coins. Sur les côtés, j'ai mis des escaliers comme ça, tout simple, c'est juste des escaliers. Au sol, pareil, j'ai juste mis des escaliers autour de mon home ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense de ce côté-là faire une grande salle. Putain, il a mangé des pommes en or, enculé. Ah ouais, t'es en train de PVP, c'est vrai. Ici, je pense faire une salle des coffres. Oh putain, il y a un masse monde! Bah fais-toi pas défoncer, gars. J'essaie, je suis à deux cœurs. Ok, bon bah t'es mort. Donc, puis moi je peux pas les... Le truc, c'est qu'il faudrait que limite qu'on essaye de se ramapper pour essayer qu'on puisse back ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais non, c'est surtout qu'à un moment faudrait qu'on se fasse. Ouais, putain. C'est bon, t'es mort. Putain, je suis à moins 2 de power, putain. Ah putain, arrête de PVP là. Mais ça focus, ça m'énerve. Ouais, bah stop PVP. Reprends tes power. Bah, tu peux que les reprendre. D'ailleurs, comment tu. 40, stop les gars, stop. Comment tu fais pour les reprendre? T'attends. J'attends. Enfin bref, moi je voulais dire. Ici, donc on aura. Putain, je peux être dans les coffres. Ici, on aura une salle des coffres avec tous les petits coffres vite fait où il n'y aura pas des choses de grande valeur parce que je claimerai pas ce home. Et on aura sûrement une grande salle aussi pour tout simplement faire pousser des arbres. J'ai récupéré quelques petits saplings tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit. Voilà, ici j'ai du spawn, j'ai tout ça, donc on se fera une petite zone pour faire pousser tout ça. Et de ce côté-là, donc on fera plus des usines, des petits prototypes, des petites usines comme ça, plus sympathiques pour se détendre et puis donc pour essayer de se faire de la thune. Donc je pense qu'on fera les petites usines au prochain épisode. Pour cet épisode, ou alors on va faire une petite usine à pastèque ici. Et puis au prochain épisode, je pense qu'on fera la grande salle par là-bas pour tout simplement faire pousser les arbres. Et puis donc après, on prendra le cours des épisodes normal. Donc voilà, on se retrouve un petit peu plus tard pour construire la petite salle. À toutes. Enfin, la petite... Venez. Warity. T'as eu la force 2? Ouais. Hey, go. J'ai plus de bouffe. Il va à la potion. Poison. Bon. Ouais, t'es quelqu'un qui m'a frappé. Derrière. Putain, je. J'ai plus de vie. Ça va, moi aussi? Non, j'ai plus qu'un cœur. J'ai un cœur. Putain, mais il arrête pas de sur la chaîne, l'enculé. Ils sont trop stuff, stop les gars, on arrête. Mais non, mais comment il peut être aussi stuff? Ouais, rien ne vient. Je vais mourir. Essaye de le finir. C'est pas possible, on a force 2. Il a bomb shit, ouais. Il a pris bomb shit. Je me casse. Je me casse. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Il y aura un petit peu de PVP. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous mettre le doigt dans le cul. À mettre un petit like, comme je viens de le dire, si ça vous aura plu. N'hésitez pas également à partager. C'est comme ça que j'arrive à me faire connaître. Et puis donc, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!